j'utilise des œufs Nostev depuis une dizaine d'années sur mes deux cuvées haut de gamme, une en blanc et une en rouge. La première raison, un gain de place, puisque ma cave est à un endroit où je ne peux pas construire de chai à barrique. La deuxième raison est une raison de commodité, donc c'est très pratique et rapide d'utilisation. La troisième raison est une raison de prix. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des œufs Nostev que d'avoir un chai à barrique. Les œufs Nostev que j'utilise ont permis de complexifier mes cuvées haut de gamme, d'amener du volume en bouche, de la finesse, de la longueur, sans pour autant amener trop de goût de boisé. Et donc commercialement, ça a vraiment permis de passer un cap en termes de valorisation sur mes deux cuvées, puisque depuis que j'utilise des œufs Nostev, ce sont des cuvées où de quelques milliers de bouteilles, on est passé en 4-5 ans à entre 15 et 20 000 bouteilles pour chacune de ces cuvées. Donc on a vraiment multiplié le volume à peu près par 10. Et j'ai beaucoup de retours clients qui me félicitent sur sa discrétion et sa finesse en fait. Très clairement, c'est des cuvées qui sont médaillées tous les ans, sur lesquelles j'ai des bons retours presse à l'export. J'ai des bonnes notes à Mara Décanter, par exemple, à peu près tous les ans. Donc en effet, c'est des cuvées qui plaisent commercialement. C'est tout à fait un produit que je recommanderais. C'est la même démarche que pour des barriques. On choisit son bois. Bon, moi, j'utilise des œufs Nostev de 18 mm, comme vous pouvez voir hop, ici. Donc c'est du chêne français. C'est vraiment la même logique que pour une barrique, avec, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un chai à barrique trop important, avec vraiment beaucoup plus de commodité, ça répond vraiment à un besoin et je le recommande chaleureusement.